Mais là, c'est horrible. Voilà, un petit bâton comme ça, c'est ça qui convient mieux. Par contre, il y a des petits pois à gogo, c'est bien. Ça mordrait. Ah bah tiens. Elle ressent déjà, il y a plus de poigne. Ah oui, qu'il y a deux semaines. Quand elle attrape le poids des pantalons, bah oui, mince, elle fait mal. Allez chercher. Allez chercher le bâton. Enfin bon, moi j'en fais pas de confiture, mais ce qu'on faisait, c'était des grosses fraises, là, toutes. En 10 minutes, on avait ramassé une barquette. Mais vous n'avez pas à Gailly? Si, c'est ça, hier, c'est à Gailly. Ouais, à cause de la sécheresse, les pauvres fraisiers, ils sont complètement retombés. Il montrait des petits pumas des neiges qui étaient nés en Allemagne, je crois, avec des gros pieds. J'ai essayé, ça ressemble à ses pieds. En tout cas, on l'a pas vu beaucoup. Aïe, mon doigt! Oh! Ah non, mais voilà, ça c'est le soir, le quart d'heure. Tu fais mal, arrête. Il paraît qu'il voulait prendre par la peau du cou, mais encore, faut pouvoir. Alors non. Et zut, tu fais mal, arrête. Ah non. Ouais, voilà, le bâton si tu veux, mais. Aïe. Oh, mais la petite chacon, arrête, arrête, arrête. Il est tout léger ce bâton. C'est du bois mort. Allez, le bâton, voilà. Oh toutou. Oh toutou.